نفس الشيء. Merci. Et ailleurs se révoltent contre l'injustice, pour la justice, pour plus de justice sociale, contre la répression et finalement pour la démocratie. Dans un pays où la répression, où la dictature dure depuis trop longtemps, et ce n'est pas parce qu'il y a d'autres dictatures dans ce monde, ce n'est pas parce que les droits humains sont non respectés dans d'autres pays de ce monde qu'il ne faut pas se mobiliser. Bien au contraire, ceux qui luttent courageusement en Tunisie ont besoin de notre soutien. Il faut le dire haut et fort aussi dans notre pays. Il faut aussi dire à toutes celles et ceux qui passent comme touristes en Tunisie d'avoir les yeux ouverts et quand ils reviennent, comme vous l'avez dit, de ne pas seulement amener des jolies photos, mais aussi des témoignages de ce qui se passe là-bas. Je rends hommage à ceux qui sont morts, hommage à ces martyrs, et honneur à toutes celles et ceux qui, dans des situations très difficiles, luttent. Une jeunesse où une grande partie n'a aucune perspective de travail, aucune perspective d'avenir, finalement. Honte à ce régime où 95%, presque la totalité des avocats, doivent manifester comme c'était le cas aujourd'hui. Honte à ce régime qui utilise la répression. Honte à ce régime qui doit fermer les sites internet pour empêcher les gens de s'exprimer. Voilà le message que je voulais vous donner. Voyez avec vous, il faut continuer de se mobiliser et de